j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Nexus RP. Donc, petite parenthèse avant que la vidéo commence, c'est très important. Vous allez rien comprendre en fait. Là, quand ça va commencer, on s'est quitté sur je ne sais plus quoi et on revient sur autre chose. Voilà, la baraque est à moitié vidée, comme vous pouvez le voir. Encore, ça a été réparé et il manque la moitié des dinosaures. En fait, il n'y a plus que ça. Attendez. J'entends un truc bizarre. Ah ok, c'est bon. Et en fait, il manque la moitié des dinosaures. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe exactement. Donc, ça va être très très simple. En fait, RP parlant, Tony est parti dans le sud, mais on ne sait pas s'il a été enlevé, si voilà, s'il s'est passé quelque chose ou s'il est parti de lui-même dans le sud avec les rebelles. Et en fait, tous les Tilacoleo ont été pris. En fait, Tilacoleo, Lou et Sabertooth, tout a été pris. Le problème, c'est que moi, je n'étais pas là pendant les événements justement qui se sont passés. Comme par hasard, le jour où je suis pas là, c'est le jour où voilà où ça arrive. Et le problème, c'est qu'il y a eu un petit souci. En fait, il y a des trucs qui se sont faits et qui n'auraient pas dû être faits. Et en fait, le roi est venu ici perquisitionner l'intégralité de mes dinosaures. Ils ont fait péter. Enfin, il y a des zones qui ont été pétées dans la maison, d'où pourquoi je n'ai plus mes ateliers, d'où pourquoi il me manque énormément de dinosaures actuellement, et c'est des choses qui n'auraient pas dû arriver. Donc aujourd'hui, il va falloir que je récupère mes dinos, donc ne paniquez pas si vous voyez qu'il me manque un yen, s'il me manque voilà, les castoroïdes, vous connaissez, donc il manque énormément de choses, comme vous voyez, c'est vide, s'il y a des choses qu'on a essayé d'être qui ont été réparés, d'autres non, pas encore. Il y a des choses qui doivent être regif parce qu'il manquait énormément de choses. Écoutez, on fera tout ça par la suite de toute façon. Donc on va commencer maintenant. Donc Kira va commencer en fait, elle va arriver dans la capitale totalement apeurée en demandant qu'est-ce qui se passe parce qu'elle a perdu tous ses animaux. Donc on va aller faire ça ensemble les copains. Et la vidéo va commencer maintenant. Bonjour monsieur Gorator. Excusez-moi de vous déranger, je viens tout juste de me réveiller, je comprends plus rien, j'ai plus mes Tilacoleo chez moi, j'ai plus mes loups, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Je retrouve pas Tony, il y a rien, il y a plus rien chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Apparemment il y a tout le monde qui est parti de chez vous hein. On est arrivé là-bas, chez vous, il y avait plus personne, il y avait plus de dinos, enfin il y avait plus rien. Par contre, on avait essayé les dinos. C'est nous, là, enfin, le roi qui les a récupérés. Voilà, mais après, oui, les titi, par contre, les titi, ils étaient pas là. Et plus personne de chez vous était là, hein, et il y avait plus rien. Il restait, ouais, il restait les structures et les dinos, sauf les titi. Mais oui, mais je vois pas Tony, je vois pas les loups, par contre, je sais pas si on les a récupérés. Je crois qu'ils les ont pris aussi, hein, je crois. Mais c'est pas vrai, mais je viens tout juste de me réveiller, je vois que j'ai plus rien, c'est une catastrophe, là. Hier on nous a prévenu vite fait, putain, on a galopé parce que ça pétait chez vous, ça pétait, et du coup on est arrivé, et du coup on a vu, il y avait tous les dinos, sauf les titi, et tous vos camarades, ils étaient plus là non plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été, on sait pas du tout, on a aucune nouvelle, on sait pas s'ils ont été kidnappés, s'ils ont été tués, s'ils sont partis de leur plein gré. Je n'en sais absolument rien. Mais il n'y a pas moyen de faire une enquête ou faire quelque chose comme ça, là? Ah, mais ça, on va y travailler avec le roi. Hein. Je dois le voir, là, ce soir, pour essayer de demander une enquête dessus. Parce qu'on ne sait absolument rien. On est complètement paumés avec votre village. Hein. Bah, là, vous voyez bien le choc que ça me fait. Moi, je me réveille, il n'y a plus rien autour, il n'y a plus rien. C'est la catastrophe, là. J'ai plus que ça, regardez, super. J'ai même plus de chevaux, j'ai plus rien pour le moment. Donc faudrait que j'aille voir le roi là par rapport à mes animaux. Les dinos, oui, les restes des dinos qui avaient, ben on les a récupérés. Après je sais plus lesquels on a récupérés. Je crois que les loups ils étaient pas là, hein. Pourquoi on les a pas récupérés les loups? Ils étaient plus non plus, hein. Je sais que les titis ils étaient pas là, ça c'est sûr et certain. Alors les loups après je sais pas. Mais après par contre oui on a récupéré tout le reste, hein. Et le roi est là actuellement? Je saurais pas vous dire, je l'ai pas croisé encore. Ah d'accord. J'ai la peine d'arriver. Ah mince, ah oui bah effectivement, je suis désolé de vous embêter avec ça, c'est juste que moi ça m'a fait un choc, j'ai tout de me réveiller. Je vois qu'il y a plus rien autour mais de moi. Bien. Ah mais y a pas de souci, non, mais je vous rassure, c'est aussi flou chez vous que chez nous. Hein. Nous on comprend pas non plus. Je sais pas si ça doit me rassurer ou pas, monsieur Garator. Ah mais désolé si ça vous rassure pas, mais là franchement, moi je préfère être franc, hein. Je vous le dis franchement, c'est... Ah ouais, non mais moi je suis honnête, je dis les choses franchement, mais même le roi ne sait même pas, à moins qu'il y ait eu des nouvelles entre temps aujourd'hui et que moi j'étais pas là, mais là c'est vrai qu'on a perdu du monde. Hein. Enfin, bah ouais, bah là c'est la catastrophe. On est un peu perdu. Hein. Personne n'a
particulier. On vient de me dire que... Ah, bah voilà, je crois. Ah, je monsieur le roi, je vous cherchais. Ah, bonjour, dame Kira. Bonjour. Bonjour. Je bonjour. Pensais pas qu'il restait des habitants au village de Lérion. Bah écoutez, moi je suis complètement... Bah dites-moi en plus, bah justement, je m'attendais à ce que vous m'en disiez plus. Je viens tout juste de me réveiller, il n'y a plus Méthyl à Coléo, il n'y a plus mes loups. Il y a plus, il manque plein d'animaux. Je retrouve plus Thomas, je retrouve plus Tony. Je comprends rien. J'étais voir Monsieur Gorator pour demander. Il m'a dit qu'apparemment hier on a subi une attaque et personne n'a plus d'informations. Je suis totalement perdu. Je comprends plus rien là. Ah, vous avez perdu vos compagnons aussi. C'est fort embêtant. Bah oui, donc du coup j'arrive pas à savoir c'est quoi. Est-ce qu'ils ont été attaqués, kidnappés? Pourquoi est-ce que j'ai plus mes dinosaures? J'ai plus mes Tylacoléo? Il y en a plein qui me manquent. Regardez ce que j'ai comme monture, super. Bah si vos dinosaures manquent aussi à l'appel ainsi que les hommes, c'est peut-être qu'ils sont partis ensemble déjà. J'en sais rien, tout ce que je sais c'est que Madame Lucera a vu Tony qui était dans le village. Vous dites-moi. Il y en a c'est vrai pas qui ont été tués. Pour les dinosaures, il y en a quelques-uns qui sont dans le village et qu'il va falloir récupérer. Il y en a quelques-uns qui ont été réquisitionnés. Oh. Donc il va falloir les ramener au village de Lérion, de toute façon qu'il n'y avait plus personne, nous ne vous avions pas vu. Et... Ah bah, vous m'étonnez justement, ça m'étonne de vous voir. Ah, bah, j'étais dans la ça maison, écoutez, moi ce qui m'étonne, c'est surtout de voir d'un secours en me réveillant qu'il n'y a plus rien. Ça vous avez pas un canal radio pour... Non. Un canal radio pour contacter vos collègues? Non, c'est pas possible. C'est pas... Non, j'en ai pas. Bah ils sont peut-être partis en expédition, ils vont peut-être revenir plus tard. Ils sont partis avec tous les dinos. On pensait déjà premièrement à une traîtrise, mais on ne sait pas si vraiment ils auraient pu trahir comme ça le Nord. Ça me paraît bizarre. Il y a plusieurs possibilités, mais. Bah, ils l'auraient pas laissé toute seule quand même. Enfin, je sais pas. Les habitants sont dans un village et on vous a pas trouvé donc. Tony m'aurait pas abandonné. Si nous on vous a pas vu, peut-être que les personnes qui. Soit ils sont partis de leur plein gré, soit ils ont été enlevés. Et si jamais ils ont été enlevés, bah, c'est normal qu'ils ne vous aient pas enlevés puisqu'ils ne vous ont pas trouvé comme nous. Ils étaient peut-être cachés. Ouais, je comprends. Donc là vous avez pas plus d'informations, on n'en sait rien. Aucune information. Ils sont pas revenus depuis. Il va y avoir une enquête, va y avoir quelque chose? Bah, il va falloir que je vois avec mes hommes. Mais j'ai plus d'argent, j'ai plus choses, rien. Et oui, effectivement. Ah, ils sont, il y a plus d'argent. Ils ont pris la plupart des biens du coup. Bah, oui. Moi je pense qu'ils sont. Enfin partis, là, ce qui hein, me manque principalement. Bah, je vais venir avec vous allez exactement. Me dire ça, je vais m'occuper de tout oui. ça. Oui. Bon. D'accord, monsieur la tour. Très bien. D'accord. Très bien. Bonsoir. Bon, on va dans la rue. Réunion. Réunion. Bon, dans le verre. D'accord. A few moments later. Madame Kira. Oui. On a retrouvé votre ami. Mon ami. Monsieur Black. Il est où là? À l'hôpital. Je peux vous suivre ou d'abord il y a des interrogatoires? Oui, non, allez-y. Non, apparemment, elle aurait été enlevée. Lors de l'attaque. On peut plus faire des potions alors. Vas-y. Attendez, j'ai eu des petits mots de tête. J'ai des mots de tête. Je vous confirme que. On a entendu ça dans la salle de réunion. Oui, monsieur. On sait pas où il était. Donc, il a poil lui. C'est par rapport à ça peut-être qu'il y aurait eu la tour. C'est qu'on a vraiment un indique pour ça. Toc toc. Il faut voir. Il y a Madame Kira qui est ici. D'accord. Ah. Tony. Oh, t'es là, t'es en vie. Doucement. Tu vas bien, Tony? Oh, ouais. Ça peut aller mieux. Comment vous l'avez retrouvé? On l'a retrouvé ici, on rentrait avec le docteur. Et il appelait à aller. C'est une dame qui m'a retrouvé dans la forêt, je suis tombé dans les pommes dans la forêt. Elle m'a ramené jusqu'ici, je me souviens pas de la forêt jusqu'ici. Ok, tu vas bien, il s'est passé quoi? Enfin, j'imagine que t'es en train d'expliquer au monsieur là. Ouais, il y a 10 personnes qui sont rentrées dans le village et qui m'ont menacé de mort si je leur donnais pas nos bêtes. Ils se sont servis, ils ont pris tout l'argent aussi, et ils se sont barrés, et tout ce que je sais c'est qu'après... Je sais pas ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais, c'est que juste après ça, je me suis réveillé dans un bateau avec une cagoule sur la tête.
et ils m'ont posé des questions. Et ils m'ont tabassé parce que je faisais un peu exprès de répondre à côté, quoi. J'ai pas envie de qu'à cause de moi, le royaume se fasse attaquer. Et le problème, c'est qu'apparemment, ils avaient déjà les réponses, donc ils m'ont tapé jusqu'à ce que je dise la vérité. Ah, les gros enfoirés de merde. Et donc, tu as validé les informations qu'ils avaient aussi du royaume, c'est bien ça? J'ai validé que quelques informations, oui. Qu'est-ce que tu as validé? Dis-moi. Ils m'ont demandé les couleurs que le service militaire allait utiliser pour leurs armures. Et à la base, je leur ai dit, vous savez, on sera comme les policiers, mais juste inversé, comme ça on se reconnaîtra tous. Non, et là, bam, j'ai pris directement une droite dans les côtes. Et elle me dit, te fous pas de ma gueule, je sais que tu te fous de ma gueule. Et j'ai dit une autre couleur, pensant qu'il bluffait. Et bam, j'ai repris une deuxième droite. Et après, du coup, j'ai dit les vraies couleurs, quoi, orange et noir. Et là, tout à coup, ils se sont directement arrêtés de me taper dessus. Après, ils m'ont demandé aussi des informations sur la structure de la ville. Combien on avait de portes, quelle défense on avait, quel dino on avait. Alors, j'ai fait exprès de répondre un petit peu à côté, quoi, comme si je connaissais pas tout par cœur. Mais voilà, je leur ai juste dit que, à ma connaissance, on avait un Rex et puis qu'on avait les bêtes du commissariat, c'est tout. Et ils m'ont tapé deux fois et je leur ai répété la même chose, comme quoi j'en savais pas plus, et ils ont arrêté de taper au bout d'un moment. Pardon. Et... Attendez, excusez-moi, c'est possible que je fasse une petite pause, là j'en peux plus. Oui, allez-y. C'est pas possible, comment ils savaient ces informations, sinon à chaque fois ruer de coups à chaque question et qui répondait faux, c'est pas possible, ils connaissaient déjà les réponses. En effet, c'est fort probable. Il y a une taupe dans le village ou quoi là? Après, ça fait trois fois qu'ils viennent à la capitale et ça fait trois fois qu'ils viennent prendre les informations. Ouais, mais ils viennent nous attaquer. Ils avaient pas les couleurs des tenues. Ça, c'est vachement personnel quand même, les couleurs des tenues militaires. Ah, ça oui. Après, ce qui s'est passé, je me souviens juste d'un truc. C'est qu'ils m'ont posé une question et c'est ça qui m'a fait comprendre qu'il y avait une taupe. C'est qu'ils m'ont demandé quand c'est que le roi allait se marier, la date du mariage officiel. Et ça, je leur ai dit que je ne le savais pas et que rien n'avait été décidé pour le moment. Ils m'ont tapé deux, trois fois, mais ils ont bien compris qu'à force que je crachais du sang, ils ont bien compris que je mentais pas. Et de toute façon, pour vous dire, je me suis évanoui deux, trois fois pendant l'interrogatoire. Mais c'est pas ça. C'est soit qu'on a une taupe qui peut être au centre de l'armée au niveau des couleurs, soit on a eu une taupe, mais par contre, elle prend ses dévouements. Hein. Pour avoir ces informations-là et ces demandes-là, c'est que c'est qui prend ça. Ouais, on a un peu dit toutes ces choses-là au niveau de la réunion aussi, donc tous les habitants du village le savent. Tous. C'est vrai. Enfin, c'est pas n'importe qui. S'ils connaissent. C'est vachement personnel comme information quand même. Le mariage, ça m'étonnerait que. Enfin. Il y a quelqu'un qui a prévenu là. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle et. On a officiellement. Mais c'est un événement du Nord, c'est ça que je veux dire, monsieur le roi. Ah oui, mais j'en ai parlé à personne. On n'a pas envoyé des pigeons voyagères au sud ou quoi que ce soit. Ah oui, non, mais ça, oui, tu as raison. Enfin, et donc ça peut être n'importe qui. Enfin, pour les couleurs oui, je suis d'accord avec vous, ouais. Les couleurs de l'armée. C'est pas n'importe qui peut savoir ça. En fait, si, puisque nous avons donné surtout les couleurs des civils, en fait. Alors, les couleurs de l'armée, pour l'instant, n'a pas été vraiment choisi. Il a été choisi pour toutes les personnes qui portaient une armure et qui voudraient se battre, mais nous changerons sans doute la couleur de l'armée. Et, sauf votre respect, si je ne me trompe pas, le soir où vous avez décidé pendant l'attaque et que vous l'avez dit en plein milieu de la place publique les couleurs que nous allions utiliser, c'est juste 5 minutes après que j'ai failli croquer un mec qui vous tenait en joue. Très bien, mais il ne sortait pas réellement grand chose finalement. Vous n'avez rien à faire ici, sortez sur un agent de police en fait. Pour l'instant. Et ils n'ont pas posé énormément de questions, de toute façon ils avaient l'air de savoir beaucoup de choses, ils vérifiaient juste si je mentais ou pas. Qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui vous arrive? C'est pour les offrandes d'Erwan. Très bien. Dehors. Vous pouvez circuler. Maintenant je me souviens aussi, il y a une question qu'ils m'ont posée et que j'ai pas su réellement répondre. Ils m'ont demandé l'état de l'armement actuel du royaume. Moi je leur ai expliqué que j'étais un simple dompteur
dans mon petit village et que j'en savais pas grand chose et que de toute façon ça me regardait pas. Faut savoir aussi que Hiroto est porté disparu. Est-ce que vous l'avez vu Non, pas du tout. J'étais en train de faire mes petites affaires au village. D'ailleurs, j'étais avec Thomas. Vous avez des nouvelles de Thomas ? J'ai pas retrouvé Thomas non plus. Parce qu'on était en train de travailler ses agricultures dans sa serre quand on s'est fait attaquer et qu'on s'est fait surprendre. Moi, je pensais qu'il m'avait pris que moi et qu'il l'avait laissé parce que eux, ils l'ont endormi directement sur place. Ah, ça m'inquiète beaucoup aussi. Hein. Je sais pas ce qu'il en est devenu. Hein. J'espère qu'ils l'ont pas tué parce que, honnêtement, heureusement que je suis résistant parce que vu les coups, les droites que j'ai pris et les coups de massue, j'ai cru que j'ai bien failli y passer. Écoutez, normalement, ils sont pas censés vouloir s'en prendre aux civils, d'après ce qu'on sait d'eux. Ils sont assez pointus là-dessus, mais... C'est ce qu'ils disent. Ils l'ont tapé. C'est ce qu'ils disent, parce que je peux vous dire que pendant l'interrogatoire, ils l'oublient vite, hein, la fameuse règle de « on veut sauver le peuple hein. ». Eux, ce qui les intéresse, c'est de prendre la place du roi, et puis c'est tout. Hein. Oui, mais alors, dans ce cas, je comprends pas vraiment leurs intentions, parce que si c'est pour prendre la place du roi, je vois pas comment ils vont gagner le peuple. Oui, mais non plus, je comprends pas. Peut-être en faisant comme ils ont... avec moi en tabassant tous ceux qui seront contre eux. Ah oui, donc ce sera encore pire qu'une royauté en fait. Oui, mais ils se battent justement contre ça, contre le fait que le Nord exécute ou punisse ceux qui sont... Moi je sais même plus contre quoi ils se battent parce qu'on se fait à chaque fois bombarder, on se fait attaquer. Je sais même plus quoi, je sais même plus qu'est-ce qui les motive, moi je comprends plus rien. On se fait bombarder tous les soirs, je comprends plus rien moi. Écoutez, honnêtement, je peux vous dire qu'avec la... le moment que j'ai passé avec eux, s'ils proclament encore qu'ils veulent sauver le peuple, ben en tout cas, ils ont une drôle de manière de s'y prendre. Hein, parce que vu le sale heure que j'ai passé... Attends, on a parlé, ils ont demandé des informations au sujet de l'armée, des couleurs de l'armée. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable, par exemple, qu'ils prennent un équipement des militaires? Enfin, qu'ils prennent un équipement, qu'ils le peignent avec les couleurs de l'armée. Comme ça, il y a une proximité avec le roi. Et admettons, peut-être que, comme il serait proche du roi, il pourrait attenter à sa vie. Oui, c'est sans doute... J'y ai totalement pensé, monsieur Katsumoto. Tout à fait. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment la question sur laquelle ils m'ont tapé le plus dessus, parce qu'ils voulaient absolument la réponse pour celle-là. Et apparemment, ils devaient la connaître, mais pas être sûr de la réponse. Et c'est pour ça qu'ils m'ont tapé plusieurs fois quand je disais des couleurs au pif. Et quand je leur ai dit les bonnes couleurs, là tout de suite, bah plus un mot, plus rien. Ils avaient l'air. Enfin, je me suis plus pris de coups quoi. Et ils avaient vraiment l'air de discuter dans leur coin après. J'ai entendu des petits chuchots comme s'ils étaient déjà au courant de quelque chose. Excusez-moi de m'introduire comme ça, mais tout à l'heure sur le toit de l'infirmerie, je me suis fait attaquer par un policier. Enfin, un homme en tenue de policier. Oula ! Et ça commence. Donc, ça se trouve, voilà, bah, ça se trouve, c'est quelqu'un qui se déguise justement, qui se fait passer pour un policier. Et vous voulez savoir, ça, je pense savoir la enfin, la personne en question, mais je pense savoir comment ça a pu être possible. On a le brigadier Zone qui s'est fait attaquer apparemment, au cours de journée dernière, par une personne qui l'a endormi. Cette personne lui a retiré tout son équipement. Du coup, une personne inconnue au bataillon, une personne X, qui peut se promener avec un déguisement de flic. Évidemment. Et je pense qu'il faudrait interdire les masques intégrales. On ne peut pas reconnaître la personne. Ah bah après. Il portait un masque de brigadier. Ah oui, c'est vrai. Bah mais ça c'est. Il va peut-être falloir. Bon, il faudrait un signe caractéristique que tous les policiers ont. Bah ça, un petit signe caractéristique qui fait qu'on pourrait les reconnaître. De base, c'est ça. Hein. Attendez, c'est ça. Non mais c'est con, mais un petit détail. Voilà, demander le signe et si la personne est incapable de le faire face à nous, bah c'est que c'est la taupe. Tout à fait. Excusez-moi messieurs dames, sauf votre respect, mais j'ai vraiment mal au crâne. Ce serait possible que je me repose un petit peu? Oui, on va vous laisser. Normal, je vous laisse. Je te laisse, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Putain, mais c'est pas vrai, hein. En tout cas, ça fait plaisir de voir des visages familiers. Ah oui, bien sûr. Oh putain, Didine. Ah oui, maintenant c'est obligé. Merci. Quoi. Ah, vraiment, vous avez... Est-ce qu'il pourrait y avoir seulement un policier en qui vous avez confiance? Oui, bien sûr. Ah, c'est vrai, elle vous plaît? Ah oui, vraiment beaucoup. Et il me faut un policier là. Où est la police? Ah, bah ça me fait plaisir alors. Mais vous êtes content si elle vous plaît. Monsieur Ferny, je viens de me faire agresser. Vous pouvez venir avec moi?
Oula. Et monsieur Talu, il est allé comment? Il a fait mourir aussi, c'est pas normal. On devait faire une livraison de perles chez la caravane, là, ils ont lâché leur dinosaure en agressif sur nous. On a failli mourir, quoi. J'ai encore des séquelles. Oh là 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 là. Moi je porte plainte, c'est pas normal. Mais ça va pas là. C'est des malades ceux-là. Moi je fais plus de business avec eux, ils ont qu'à se faire foutre. C'est complètement fou de lancer comme ça les dinosaures en agressivité. Oui, c'est complètement fou ça. Un gros chameau terrium là qui m'a jeté une pierre dans l'œil. Et ça fait super mal en plus. Et la moitié de ma vie qui s'est barrée, c'est pas normal. Oh là 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 là. Oui, vous doutez bien. Faut faire quelque chose là. Oui. C'est pas la première fois que ça arrive en plus ce genre de problème. Et en plus ils vous enferment chez eux, c'est séquestré quoi. C'est honteux, c'est honteux. Ils sont complètement malades. Et ouais, des dinosaures en agressif et des fous, je vous dis des fous. Ils sont complètement fous et ça pourrait tuer une personne. Après, ça. La caravane met ses dinos en agressif justement pour protéger la structure en fait. Eh ben ça marche bien, regardez, on a bien protégé. Ce que je veux expliquer, c'est que voilà, le monsieur, il vient pour apporter des choses, il se fait attaquer, donc plus personne ne peut rentrer. C'est pas évident, ils n'ont pas de quoi prévenir de leur arrivée. Personne en fait n'a de quoi prévenir l'arrivée aux portes. C'est n'importe quoi. Pourquoi les mettre en agressif? Mais attendez, c'est pire que ça. Moi, ils sont réglés. Il y a des malades. On va s'éloigner un peu. Oui, on s'éloigne. Excusez-moi, madame la guérisseuse. Il faudrait y penser. Il faudrait peut-être déplacer l'hôpital, finalement. Chaque fois déplacer quoi. C'est l'hôpital qu'il faut déplacer en fait. Et oui, on gagnerait du temps. Chaque fois, 5 fois par jour, on ne dit pas devant l'hôpital, quoi. Non mais ce genre de attendez. Chose, déjà, il faudrait prévoir des alliances pour éviter ce genre de problème déjà. Mais bien sûr, moi je n'ai jamais eu de soucis avec justement ces dinos agressifs parce que nous sommes en alliance. Et on a passé je sais pas combien de temps dans le sud, on n'a jamais pris un coup de dinosaure. Je sais pas comment ils se démerdent ici. Et en plus, attendez. Mais pourquoi ils n'aimaient pas d'une telle façon comme les miens que s'ils prennent un coup, tout de suite les dinosaures se défendent. Moi, exactement. C'est comme ça qu'ils sont. Que je les ai dressés. S'ils viennent à prendre un coup, toute la meute d'un seul coup arrive et les défend. Tout à fait, mais je pense que parce que c'est dangereux, on sait jamais un petit nouveau. Et ils ont un petit nouveau qui arrive. Hein, mais écoute, vient d'arriver le pauvre. Le but en fait de la caravane, je veux juste vous expliquer, ce n'est pas forcément mon point de vue, mais je vous explique en fait. C'est. Oui, forcément, de se défendre quand il y a une attaque. C'est surtout parce que beaucoup de résistants viennent s'infiltrer, soit voler certaines choses, soit casser des choses. Le but de leur dino en agressif, c'est justement d'empêcher cette pratique-là de se défendre si jamais un dino est attaqué. Parce que sinon, ils sont pas bêtes, les résistants. Ils vont absolument pas attaquer des dinos s'ils savent que tout le monde va leur tomber dessus. Et oui, mais attendez. Et quand vous venez livrer des perles, vous vous faites attaquer ou? Monsieur Fardy, vous énervez pas, je suis là. C'est moi qui vous ai demandé de perles. Il faut prévoir une alliance, c'est honteux. Ça réglera le problème. Et oui, c'est honteux. Ouais, je pense qu'il faudrait prévoir quelque chose pour qu'il n'y ait pas de problème. On a déjà même avec les petits nouveaux, il faudrait prévoir ça, comme ça, il n'y a pas d'agression ou quoi que ce soit. On a déjà fait rentrer, je sais pas combien de personnes chez nous. J'ai perdu la moitié de mes litres de sang. La moitié de mes litres de sang, carrément. C'est honteux. Plus jamais. Caravane, je veux plus vous entendre. En cas. Oui, à votre cas, il m'a dit. Il fait mourir, dites-moi. Mourir, carrément. Mais je pense qu'il est sous le choc, c'est surtout qu'il a failli, mourir. C'est, je pense que quand on vient se faire attaquer comme ça, je pense que ça va faire un certain choc. Et en plus, par un animal, il était même pas beau, quoi. Il était même pas beau. J'ai jamais vu un animal aussi moche. Ce n'est pas le moment de... Ferny, vous en êtes bien, un animal, je vous jure. Oui. Calmez-vous, ce n'est pas grave, c'était un accident. Respirez tranquillement. La caravane s'excuse platement. Salut, fais-moi un câlin. Il y a un problème avec l'alliance et tout sera réglé. Je t'emmerde, Ferny. Je t'emmerde. Bah, c'est parce qu'ils sont pas dans l'alliance, c'est pour ça qu'ils sont fatigués. Commencez pas à vous engueuler. Créer une alliance. Il veut plus de câlin, mais c'est parce qu'il y a les gens, il est timide. Capone, bah bon. Il faut t'éloigner d'eux, ils sont dangereux. Quand tu vas leur livrer des perles, tu te fais attaquer. T'approches pas, fais pas le con, on va perdre quelqu'un encore. Ferny. Oui. C'était pas intentionnel. Vous deviez me vendre. Ah, si on parle business, je suis là, oui. Vous voulez de la viande Bon, par contre, madame la reine, est-ce que je peux vous parler quelques vous petites secondes un petit peu à l'écart pour pas faire trop de bruit de viande avec le roi. Attendez, il est où mon. Attendez, aïe. Et voilà, vos 400 de viande pour 600 pièces d'or. Ah, ça super. Me fait plaisir. Alors, je vous suis. Ça c'était gentil, ça. Vous voyez, je me sens mieux. Ferny.
Oui. Revenez maintenant voilà. Que vous êtes dans la lance. Alors, elle écoute bien. Elle est docile. Ah, très. Je suis impressionné. Ah, bah ça fait plaisir. Ah, bah ça a dû vous faire quelque chose, hein, parce que c'est vrai que vous savez qu'elles sont rares, hein. Et oui, et puis nous ne sommes pas les seuls à, visiblement, à savoir manier les chevaux. Vous êtes vraiment très doués. Félicitations. Ah, bah je vous remercie beaucoup. Merci. Je voulais vous faire part par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Tony. Là, ça commence un peu à m'inquiéter parce que, étant donné que le village de Lérion a été attaqué, du coup, hier, alors que moi je dormais, j'ai un peu peur qu'il se repasse. Alors je sais pas s'ils ont attrapé Tony pour avoir uniquement les informations justement pour qu'il y ait une taupe, je sais pas comment ça va se passer. Mais moi j'ai peur qu'il y ait de possibles kidnapping dans le futur, moi ça m'inquiète un petit peu là. C'est je vais pas vous mentir, je me sens pas trop en sécurité. C'est malheureusement le risque, j'ai l'impression qu'ils veulent kidnapper un maximum de gens pour obtenir des informations ou pour essayer pour avoir des de informations. Les rallier à leur cause. Après, comme on a dit toutes les deux, je suis d'accord avec vous, je comprends pas leur façon de faire. Parce que là, s'ils veulent rallier du monde à leur cause, ils se mettent un peu le doigt dans l'œil. Là, ils se tirent même dans le pied. Parce que là, ils font peur à la population et... C'est à moins qu'ils savent pas s'y prendre. Ah, visiblement. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je connais pas du tout la cause qu'ils sont en train de relier parce que je connais pas du tout parce que moi j'ai jamais eu les occasions de les voir. À chaque fois que le peu que je les voyais, on se prenait des bombardements sur la tronche. Écoutez, donc moi ça me fait un peu paniquer. Ce qui m'étonne, c'est que le peu de choses que je sais sur eux, c'est qu'ils sont une démocratie, donc ils sont contre les exécutions et tout ce genre de choses. Bref, ce que fait le Nord en gros, hein. Nous les meurtriers, les assassins, ce genre de choses, on les pend où ils courent et puis c'est terminé. Ils sont complètement contre ça. Ils ne veulent pas. Enfin, ils voulaient soi-disant absolument ne pas toucher aux civils. Tout ça pour eux, c'était même pas la peine. Bon, bref, très, on va dire. Oui. Voilà, faire le moins de mal possible. Ce que je comprends pas, c'est que du coup, là, visiblement, ils se battent. Ils disent se battre contre ça, mais ils agissent de même. Ils agressent la population. Ils mettent en péril leur vie. Ils les kidnappent. Ils les tabassent. Je ne comprends plus trop. Pour avoir des informations. Donc, à moins qu'ils savent très bien que, justement, on va pas donner les informations comme ça. Donc, ils utilisent la méthode forte pour avoir les informations. Et là, ils ont, Tony, il a été relâché. Ce que je vois, après, j'ai pas osé trop lui poser de questions parce qu'il a l'air d'être secoué. C'est pour ça que je me suis permis de le laisser avec Madame la guérisseuse pour qu'elle s'occupe de lui. Mais moi je comprends pas, déjà qu'ils nous bombardent. Moi j'étais pas là hier, mais monsieur Gorator m'a expliqué qu'apparemment on a subi des bombardements de nouveau. Et c'est là apparemment que l'éthyl a collé où tout a disparu, tout a explosé chez moi. Voilà, donc j'ai l'impression qu'ils viennent petit à petit, au fur et à mesure, récupérer une petite information par-ci, une petite information par-là, pour essayer d'avoir le maximum d'informations de leur côté, essayer de s'organiser le mieux possible pour que, une fois qu'ils vont être face à nous, on soit totalement perdu en fait et qu'on soit inférieur à eux. Tout à fait. Ah, mais comme on a pu le comprendre, à mon avis, voilà, ils essaient en effet de kidnapper des gens, de voler l'équipement de nos policiers, de notre armée, pour se fondre dans la masse et obtenir. C'est ça. C'est ça qui me fait peur. C'est que j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire en sorte de se fondre tout doucement dans la masse et qu'en cas de panique, ils soient justement dans cette foule en panique et que là, ils en profitent pour taper. Tout à fait. Donc je pense que ce qu'on. Ils ont l'air d'être organisés. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont organisés. Ah oui, ça oui. Mais ce qu'on va devoir mettre en place, c'est en effet un signe particulier pour la police. C'est pas bête. Place, en espérant que même si les policiers se font attraper et torturer, ils ne lâchent pas le morceau, ou alors il faudra changer régulièrement ce genre de signe. Ou sinon, j'ai pensé à quelque chose. Oui, vous savez, à une petite trace de peinture à un endroit de l'armure. Quelque chose, un petit signe à l'endroit ou quelque chose alors, comme ça. Alors, le problème de ça, c'est que comme c'est visible, ils vont rapidement savoir que c'est ça, ils pourront le faire eux-mêmes. Ouais, comprendre. Si vous voulez, ouais, mince, ouais. Je pense qu'on va devoir voir avec le roi, mais pour le coup, je pense qu'il va falloir donner le moins d'informations sur notre armée possible, malheureusement, en réunion. Parce que là, visiblement... C'est affreux, parce que, en cas de... non, mais je vous comprends totalement, c'est clair, parce que s'il y a une taupe... Admettons, là, actuellement, il y a une taupe. En gros, la taupe, elle répète tout ce qu'on dit à chaque réunion. Bon, moi, j'étais pas là à la réunion de ce soir, parce que monsieur Latour m'aidait à récupérer les dinosaures manquants d'hier. Voilà. Donc par exemple, là par exemple, on a dit qu'on mettait un nouveau lieu, s'il y avait une taupe, ils le savent. Alors, on a dit qu'on changeait les couleurs ou quoi, ils vont le savoir. C'est ça notre problème. Tout à fait. C'est notre problème. On pourrait donner sinon, alors dans ce cas-là, il faudrait faire quelque chose. Oui, c'est pas bête. Ouais, mais il faut pas qu'après les habitants...
faut pas que les habitants croient malheureusement aux fausses informations après, parce que le problème c'est que en cas de panique ou quoi que ce soit, si les gens prennent en compte les fausses informations, oui, mais qui n'ont rien à voir avec les gens, ce sera plus subtil, ouais. Ce sera plutôt des informations données en privé à des personnes que vous voulez tester, si vous voyez ce que je veux dire. C'est à mettre en place, on en a déjà parlé avec le Don, on essaiera. Après, le point c'est qu'il y a énormément de monde. On a peut-être certains doutes sur des personnes, mais c'est pas sûr. Et le problème c'est que si on veut essayer de tester toute la population, ça va prendre un temps. À moins que les réunions soient divisées par deux. C'est-à-dire qu'on fait une réunion à telle heure, une autre à telle heure, avec tant de groupes. En fait, on divise le groupe. On donne certaines informations à un groupe, certaines de l'autre. Pas des vraies, hein, pas forcément des vraies informations. Et s'il y a une des deux informations qui vient fuiter, déjà, on pourrait savoir de quel groupe ça vient, déjà. C'est pas faux. Donc déjà, éliminer pas mal de villageois. Après, c'est très complexe. Ou sinon, dans ce cas-là, autre proposition, vous n'en parlez qu'à la police. Vous faites vos réunions entre roi, reine, policier, voilà, les personnes les plus importantes. Vous faites tout votre système de stratégie. Et en cas d'assaut, si on vient à se faire attaquer ou quoi que ce soit, madame la reine ou monsieur le roi ou encore le commandant, vous donnez tout de suite un ordre aux villageois. Je sais pas, prenez les armes tout de suite, qu'on soit quand même aiguillé, parce que sinon, je pense qu'il va y avoir un mouvement de panique horrible. Et les informations les plus importantes, vous les gardez au sein de la police et avec le royaume, enfin les personnes les plus importantes. Et si vous voyez que par contre une de ces informations vient à fuiter, c'est qu'il y a une taupe dans la police. Tout à fait. On comptait justement tester toute la police et toute l'armée en priorité. Ce serait déjà ça te fait. Pour éliminer pas mal de personnes. C'est une très bonne idée. Bah je vous remercie, bah merci à vous surtout pour vos informations, comme ça m'aide un petit peu à savoir un peu plus, même si là c'est un petit peu angoissant parce qu'on est dans le flou total, on sait pas qui ça peut être, est-ce qu'il y a une taupe, est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce que la personne carrément s'habille comme un autre villageois, j'en sais rien du tout. Ouais, c'est difficile à savoir, mais on va y travailler, vous en faites pas, mettons tout en œuvre. D'accord, bah je vous remercie beaucoup. De défendre notre population. Merci beaucoup madame. D'ailleurs, petite information vite fait par rapport au service militaire. Du coup, hier, j'ai pas pu être là. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé quand j'ai appris pour mon village, j'étais avec monsieur Latour. Oui. Du coup, j'ai pas pu être là non plus. Comment ça se passe par rapport à ça? Alors écoutez, pour le service militaire, je pense qu'ils vont prévoir peut-être un entraînement ce soir, il me semble. Du coup, si jamais il y a un entraînement de prévu, si vous désirez participer, nous viendrons vous chercher. C'est monsieur Lodon qui s'en charge. Et c'est vers quelle heure? Parce que là, écoutez, vous voyez, vu que j'ai tendance à travailler. D'accord. Oui. Il n'y aurait pas moyen, il faudrait que j'en parle, de créer, vous savez, à partir de 21h, heure continentale, vous savez, à partir de telle heure, on fait ça, à partir de telle heure, parce que vous savez, pour ceux qui travaillent, c'est pas facile. Tout à fait, mais c'est justement ce que j'allais en parler au Don, il faudrait que je le trouve d'ailleurs. Je vais m'y atteler de ce pas. D'accord, ok. Ouais, mais du coup. Bah, pas de soucis, mais je vous remercie beaucoup, madame la reine. Il va sûrement informer les autres et on sera attaqué en plein entraînement. C'est pas bête. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait les former par petits groupes, prévenir seulement des petits groupes. S'ils attaquent en plein entraînement, ils seraient un peu débiles parce que c'est à ce moment-là que tous les civils et tous les policiers seront armés. Mais enfin, bon, ils font ce qu'ils veulent. Oui, tout à fait. Jamais, là, c'est vrai qu'ils risquent de se prendre des balles. Ils attaquent trois fois au même endroit, à la même heure, ils sont débiles. Bah, après, le seul souci en effet de ces gros groupes, c'est que le problème, c'est pas de prendre des balles, c'est de prendre des grenades qui endorment. Parce qu'ils arrivent à endormir 15 personnes. Voilà, c'est ça, ils ont l'air d'être équipés. Hein. Je vois à chaque fois quand on se fait assaillir, ils ont l'air d'être équipés. Tout à fait. Mais je pense que le Don prendra peut-être une autre personne de confiance, qu'ils feront peut-être des groupes de deux pour le service militaire ou ce genre de choses. On verra. D'accord, ok. D'accord, bah pas de soucis. Bah, je vous remercie beaucoup, madame la reine. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Pas de soucis. Bonne journée à vous. Merci vous aussi. Au fait, mademoiselle. Oui. Il me semble que vous cherchez un chien. Oui, qui était perdu. Alors, c'est quoi son nom? Vous vous rappelez? Justement, vu que c'est... vu que c'était l'un des petits de Gizzy, en fait, et j'avais laissé tous ses noms à lui, en fait, qu'il avait mis. Ouais, d'accord. Elle était, je sais plus si c'était un mâle ou femelle, mais facilement plus de 200. Ça, c'était sûr et certain, parce que j'avais que des plus de 200, entre 210 et, 250, je crois, max. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on va mener l'enquête, hein, si on le trouve. On vous dira ça, il n'y a pas de soucis. Pas de soucis, bah, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. C'est très gentil. Au revoir, à bientôt. Bonne journée à vous, au revoir. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Vous êtes là.
très bien. Vous trouverez dans l'accueil mes derniers mots. Très bien, très bien. Très, je les prendrai. J'ai une chose à vous avouer à tout le monde. Pendant tout ce temps, vous avez recherché qui était le Red Ghost. Vous avez dit qu'il était mauvais, qu'il était recherché et qu'il tirerait à vue si vous le croisiez. Que vous deviez le tuer si vous le croisiez aussi. Et pourtant, il ne voulait que du bien. Il ne voulait que du bien au Nord. Ah, mais il y a quelqu'un en haut là. Ensuite, tous les événements qui se passent en ce moment. Silence. C'est monsieur Latour, laissez-le s'il vous plaît. Je vous répète ce qu'il dit. Et. Ils me font penser que le royaume va mal. Que rien n'avance. Que le roi est submergé et fait confiance à de mauvaises personnes. Et tout le reste est écrit. Ma lettre. Je vous présente à tous mes adieux. Ah non, hein. Quoi? Qu'il va faire? Non, il a une femme, il peut pas abandonner sa femme, ça va, oui. Et vive le Nord. Non, il a pas le droit. Monsieur... Non, non, monsieur faut que tu penses à sa femme. Empêchez-le. Oh non. Quoi? Non. Bah, je crois qu'il est mort, là. Mais... Oh mince. Je vais chercher son cadavre. Oui, faut... Putain, mais... Faut faire quelque chose avec sa femme là. Quelque chose, oui. Oh, mais... Eh ben dis donc, ces derniers temps. Une explosion, il doit pas rester quelque mais chose. Mais y'a que des morts pas, là. Encore un mort quoi. Non mais sans déconner, faut faire quelque chose. Il s'est fait péter. La femme est la vie. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Il faut prévenir. Mais elle est où? Elle dort sa femme? Elle est où? Ah, malheureusement, sa femme, bah, voilà, sa femme dort, oui, elle n'est pas disponible. Oh là 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 là. On peut toujours parler à son corps, mais pas sûr qu'elle ça, c'est vous réponde. Hein. J'aimerais m'adresser à vous quand même. Parce qu'il dit que faites confiance aux mauvaises personnes. Si c'est de moi qui parle et que vous n'avez pas confiance en moi, je vous le dis tous, dites-le moi tout de suite. Et je rends tout ce que vous m'avez donné et je me casse. Si vous n'avez pas confiance en moi, il faut me l'air. Je pense que jusqu'à présent, j'étais assez honnête envers vous. Tout fait pour essayer de vous protéger autant le roi, la reine que le peuple. Personnellement, le Don, et je crois que vous le savez, je vous faisais 100 fois plus confiance à vous qu'à monsieur Latour. Et je crois que parce que quand même, la dernière personne que le roi a fait confiance, c'est moi. La dernière personne que le roi en qui a fait confiance, c'est moi. Donc je prends ça comme une attaque personnelle. Je la prends comme une attaque personnelle, en tout cas. N'oubliez pas que je suis arrivé avec un mais passé. Mais parlez peut-être pas de vous. Et... Ouais, bah j'espère quand même. Sachez quand j'ai tout confiance en vous, et c'est pour ça que je vous ai nommé général de l'armée. Je vous ai donné un poste important et c'est pas pour rien. Un des postes les plus importants de la capitale. Si je n'avais pas merci confiance en vous, je vous aurais jamais donné autant de responsabilités. Vous avez c'est l'armée à vos ordres, et rien que ça, si vous étiez un traître, vous auriez depuis longtemps fait quelque chose de toute façon. Allez pas vous suicider vous aussi, hein. Vous inquiétez pas, je crois en vous. Bon, je pense que je vais quand même en profiter avant que vous lisiez le testament pour une autre chose. Ah bah ça me rassure. J'ai fait une petite reconnaissance. Non, vous êtes fou, je tiens trop à la vie, hein, non mais... sinon je pourrais plus boire de vodka et je pourrais plus faire manger mon chapeau à qui je veux. Mais, je me suis permis, voilà, parce que je pense que le roi a entièrement confiance. J'ai fait une petite excursion en mode seul, en mode sneaky. Passé vraiment inaperçu, j'en ai même profité, ne soyez pas choqués, pour me raser la tête.
Je sais, ça fait pas beau, mais bon, je garde le casque. J'ai mal vu, monsieur. C'est bon, c'est fini là. Oh, je te fais manger mon chapeau aussi. Hein. Bon, je me suis rendu dans l'ancienne ville de Libria. La ville est, je la déclare officiellement en ville fantôme. Il n'y a vraiment plus aucune âme qui vive. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que certains panneaux ont été tagués avec les mots suivants. La justice vous guette. Cerberus vous surveille. Nous allons libérer la tyrannie de ce monde. Donc je pense, j'en déduis, que la tête de l'opération rebelle est un nom, c'est un homme ou une femme qui se fait appeler Cerberus. Donc si vous avez quoi que ce soit comme information sur cet énergumène ou sur cette femme, il va falloir directement en avertir soit la police, soit monsieur le roi, ou alors les armées du roi. Ça peut être une piste. Ça peut être une piste, messieurs, dames. En tout cas, merci de nous parler de cette information. Moi, nous sommes au courant d'une petite piste. On a une petite piste. Ouais, mais tout ça va beaucoup trop loin. Je sais pas pourquoi monsieur Latour s'est suicidé, vu qu'apparemment il y a une partie du testament qui est léguée au roi. Mais j'en sais assez pour vous dire que cette histoire va beaucoup trop loin. Il va falloir démanteler ce réseau de rebelles. Moi je suis d'accord. Les tuer, pas les démanteler. Oui, les tuer. Oh, n'oubliez pas une chose. Il y a des civils innocents parmi ces rebelles qui sont très captifs. Oui, je suis d'accord. Oui, non. Oui, puis non, même les habitants de l'Erion, on ne sait pas encore s'ils sont là. S'ils sont kidnappés ou s'ils ont suivi. Ce qu'il faut essayer, c'est... m'excuser, mais la personne qui a disparu de l'Erion est ici présente. Et revenu savoir, j'ai été passé à tabac. Je me suis fait enlever. Passé à tabac pour poser plusieurs questions pour avoir certaines réponses. Ils m'ont matraqué, ils m'ont volé mes dinos et ils m'ont tout pris. Alors, si vous pensez que vous la résistance, ce sont des bonnes personnes, eh bien, oubliez ça tout de suite. Eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement prendre la place et régner sur leur royaume. Et autant vous dire que, à mon avis, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous subirez le même traitement que moi. On se laissera pas faire. Il faut les tuer, c'est ce que je disais. Si je peux me permettre... attention, vous êtes occupé à faire ce que eux font. N'oubliez pas, quand le roi a fait son coup d'état, certes, il y a eu des exécutions, mais c'était des personnes qui étaient clairement contre le règne du roi Bjorn. Mais toutes les autres personnes qui ont juré fidélité au roi et faire en sorte que nous ayons un royaume serein et plein de vie sont toujours parmi nous. Il y en a plusieurs comme ça. C'est vrai, la pauvre. C'est ce que nous voulons. Et je vais juste terminer, mon roi Bjorn, après je vous laisse la parole. Terminé. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est de réussir à trouver les têtes pensantes de ces rebelles. Déjà, si on peut les choper ceux-là, ils vont être ébranlés. S'ils n'ont plus de commandant, s'ils n'ont plus de chef, ça va être un peu la cohue totale. Parce que je suis prêt à parier qu'il y a des innocents. Regardez, la petite Yuni, c'est une gosse. Vous voulez la tuer de sang-froid ? Le petit Michal, même si c'est une petite crapule et que je ne porte pas dans mon cœur, vous allez le tuer de sang-froid alors que c'est un gosse qui a peut-être été manipulé ? Il a été manipulé. Donc voilà. C'est sûr, j'ai des informations que je donne. Avant de dire de tuer comme ça lâchement des personnes, réfléchissez avec vos têtes. Le petit Michal a été manipulé, mais c'est sûr il est venu voir monsieur Latour, et il a... Qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai entendu deux personnes du sud qui étaient en face. Où ça ? Vous voyez, là où il y a le petit chemin de torche qui amène à la plage. Oui. Attendez, j'ai quelque chose à dire avant. Qu'on clarifie très, très vite la situation. Je ne sais pas ce qu'ils sont venus chercher, mais ils se préclamaient république démocratique. Ils se préclamaient la justice ou encore la liberté. Mais aujourd'hui, on sait que tout ça est faux. Complètement faux. Vous savez très bien que ici,
si vous êtes des hommes libres, des femmes libres. Vous le savez depuis le début. Et ceux qui nous ont rejoints, je pense qu'ils maintenant, ils prennent conscience de cela. Alors battez-vous pour l'honneur et que les rebelles crèvent. Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! Écoute, écoute-moi, ne m'interromps pas, et à la fin t'auras le droit de dire tout ce que tu penses. Ce que tu as vu ce soir est une mise en scène. Je n'ai pas été enlevé et on nous a pas volé les bêtes. Récemment, il s'est passé beaucoup de choses, ce qui fait que j'en ai eu marre et j'ai eu besoin de partir. J'ai rejoint un certain groupe qui m'a proposé de travailler avec eux et de libérer le peuple. J'ai accepté. Cependant, je devais faire preuve et en faisant mes preuves, j'ai tout simplement, je les ai rejoints, je leur ai proposé nos bêtes de guerre que le roi ne les obtienne pas et je suis parti sans chercher à comprendre. Maintenant, je te laisse faire ton poids. Je ne te dis pas qui, je ne te dis pas où, je ne te dis pas quoi. Mais si jamais tu acceptes de foutre le camp comme j'ai pu le faire et que tu souhaites continuer à me suivre et me faire confiance, je t'invite à me rejoindre. Donc, heure continentale, 22h, et dans 2 jours continental, donc samedi jour continental à 22h continental, je t'invite à me rejoindre sur la plage de Ogon, juste en dessous de Fukazo, plage de gauche, la petite plage de gauche, en 53-35. Voilà. Si tu seras là, ça veut dire que tu as accepté, tu me fais confiance. Si tu n'es pas là, ben, c'est que tu ne comprends pas mon choix et que tu n'as pas fait confiance. Ce que je comprendrai tout à fait. Maintenant, dernière chose. Je vais avoir besoin de toi, parce que je pense que tu tiens quand même pas à ce que je meure. Je vais faire un testament et une fausse lettre de suicide. Et tu vas devoir faire croire à tout le monde que je ne supportais pas d'être fait tabasser, je faisais que de faire des cauchemars, du coup j'ai préféré en finir plutôt que de vivre avec ça. C'est beaucoup ce que je te demande, je le sais, mais si tu fais pas ça, ça ne sera pas qu'une rumeur, ça sera une réalité. Tu n'auras qu'à dire que je l'avais laissé sur la table en partant, et que quand tu l'as vu, tu es venu en courant et que tu m'as vu me mettre une au milieu de la flotte. Comme ça, et puis je vais jamais retrouver mon corps. En tout cas, merci pour tout ce que tu as fait. Tu dis que je me suis mis au milieu de la flotte, que je te remercie pour tout et que je me suis tiré une balle dans la tête. Mais très loin dans la flotte. Tu peux y aller, Eva. Et c'était mes dernières paroles en espérant te voir prochainement. A plus tard. Tony vient de se suicider. Oh, mais non. J'en peux plus. Tout à l'heure, j'étais avec Madame la guérisseuse et puis il a dit à Madame la guérisseuse qu'il avait besoin de me parler. Et la guérisseuse est partie, il a dit qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de se coucher, et j'ai essayé de savoir ce qui s'était passé, il m'a dit, bah, il m'a expliqué exactement la même chose que vous, il m'a dit qu'il supportait plus, enfin qu'il en faisait des cauchemars, il m'a dit j'ai besoin de me reposer. Du coup moi je suis partie réparer ma grange vite fait, et je l'ai entendu vite partir en courant. Il est parti sur la plage là au niveau du pont, je l'ai suivi, et il m'a dit s'il te plaît, je veux pas que tu voyes ça, enfin je peux plus vivre avec ça, je suis désolée. Et il s'est foutu une balle. J'ai trouvé sur la table un testament et je comprends pas, je vous jure je veux leur mort à ces sudistes ou je sais pas quoi, il faut qu'ils crèvent là. Qu'est-ce qu'il dit le testament si on peut savoir? Je vais vous le donner, je vais vous le donner. Ouais, on donne, peut-être on donne. Au roi c'est... Ouais, ouais, donnez-le. Messieurs ici présents... Je vous le donne et vous passerez le... Ce sera moi. Ouais. Toutes les personnes ici présentes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez garder votre calme? J'ai quelque chose à vous dire et allez tout sur le. Ah non, hein. Pas vous. Ah, ah non, mais pas encore quelqu'un qui va se suicider parce que moi je peux plus. Hein. Mais non. Ah bah non. Ah bah non. Vous êtes. Oh, il y a assez de drama. Je voudrais juste vous informer et vous dire que cette histoire ne doit pas s'ébruiter. Je suis désolé, mais du coup en privé. Je voudrais du coup m'entretenir avec vous, j'ai pas mal de choses à vous dire. Et d'accord. J'aimerais que cette information reste privée et ça sera très utile pour beaucoup de choses. Je suis désolé pour votre compagnon. Ouais, bah.
Bah ouais, je comprends, mais ouais, on en discutera alors dans ce cas-là. Si vous dites que ça doit rester privé, je pense que vous avez vos propres raisons. J'ai un moyen de venger votre ami, mais ça va être très 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 risqué. Alors, d'accord. Je vous explique. Si cette information arrive à être tue, disons-le, ou alors que nous faisons passer votre ami pour un traître et que nous faisions courir l'information que nous l'avons exécutée, vous pourrez peut-être intégrer les rebelles et vous faire passer pour une indique. Attendez, comment vous voulez que je fasse ça alors qu'ils ont l'air d'être hyper armés et tout? Ils vont pas se douter de quelque chose. Ça dépend. S'il est mort, réellement mort, et je vous redirai ça. Ah oui, c'est une balle devant moi. D'accord. Alors dans ce cas, on peut très bien faire passer ça pour une exécution à mort. Mais lui-même l'a dit qu'il était pour rien. Oui. Alors oui, c'est moi. Si l'information a couru, parce que. On a des informateurs et des indiques du côté de la rébellion dans nos rangs. D'accord. Donc c'est pour ça que je veux pas que cette affaire s'ébruite. Parce venez, Ludon. J'espère que cette affaire ne s'est pas ébruitée. Si ? Parce que sinon, ça va tomber un peu à l'eau. Bah, moi, perso, après, je savais pas qu'il fallait ne rien dire, donc. Par rapport à la suicide, mort de. Le suicide, ouais. Oui. Ah, bah, je sais pas, moi, mais. Je pense que. Alors, si ça s'est pas ébruité, voilà ce qu'on va faire. On va faire passer ça pour une exécution de la part du roi, ce qui veut dire que madame qui sera ici présente sera remontée contre moi. Elle ira donc voir peut-être les rebelles. Elle se fera donc passer pour un indique et les détruira de l'intérieur. C'est une situation très risquée, mais je vous ai vu monter et je voulais savoir si il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Donc, voici mon plan. Voici mon plan, je voulais exposer, mais la seule chose qui manque, c'est comment vous allez contacter les rebelles. Alors, c'est très risqué, et ça risque... voilà, donc c'est vous qui devez prendre la décision. Si vous refusez, on abandonne toute cette opération. Et si vous acceptez, vous pourrez peut-être rejoindre leur rang, et être de notre côté, mais chez eux. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur surtout, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est que s'ils ont des taupes ici, parce qu'ils avaient l'air de savoir pas mal d'informations, s'ils ont des taupes ici, et qu'ils savent très bien, mettons qu'il n'y a aucun souci entre moi et le roi, et que la taupe vient le répéter là-bas, moi, je suis exécuté sur le champ. C'est pour ça que vous devrez fuir. Alors, oui. Vous devrez faire croire que vous êtes contre le roi et pour la rébellion. Vous devrez faire croire que Tony s'est fait exécuter car on pensait que c'était un indique. Donc vous voulez vous venger. D'accord, je comprends. Mais là, faut aussi que je les trouve parce que je suppose que voilà, ils sont pas en plein milieu d'une île et qu'on peut les trouver facilement. Je pense que c'est assez compliqué de les trouver. Donc il faut que j'arrive à trouver un moyen de rentrer en contact avec eux. Tout à fait. Donc là, c'est à vous de décider si vous voulez tenter l'expérience. Je ne vous forcerai pas. Je vous donne une piste. Si on suit cette piste, on va taire l'affaire de Tony. Et nous dirons publiquement, si vous voulez vraiment que vous lancer dans cette aventure, que nous l'avons exécuté, car c'était un traître. D'accord, ok. Est-ce que vous me laissez juste cette nuit pour réfléchir et dès demain je vous donne la réponse? Oui, tout à fait. Nous allons nous laisser la nuit pour réfléchir. Je vous remercie beaucoup. Et nous verrons si cette affaire n'a pas été ébruitée, car si elle a été ébruitée et qu'elle arrive dans les oreilles de l'indique, ça tombe à l'eau. Voilà, c'est ça le problème. C'est que si quelqu'un, s'ils sont au courant, ça va pas du tout. Je ne vous laisserai pas partir. Ah, madame la reine. Voilà. Oh, excusez-moi. J'aimerais savoir si vous avez ébruité l'affaire sur le suicide de Tony. Seulement à Altaïa et à Monsieur Ferny. Il y avait Monsieur Ferny, Talu et Capone avec nous. Oh là là, ça commence à faire beaucoup de monde. On va laisser tomber. C'est vrai qu'après que le bouche à oreille, ça va vite. Pourquoi, vous aviez peut-être un plan? Ah bah oui. Ouais, on avait un bon plan. Ah, c'était un très bon plan, mais c'était très risqué. Que quelqu'un prenne sa place à la tête, quelqu'un se fasse passer pour lui et retourne à la rébellion. Non, madame qui représente
se joignent à la rébellion en tant qu'indique. Car oui. En fait, on aurait annoncé publiquement que nous avons exécuté Tony Black, car nous pensons que c'était un traître. Et donc, elle voudrait se venger et rejoindrait la rébellion. Oui, mais si on en fait part à Fernie, Talu, tout ça, déjà, eux, ils ne parlent pas aux autres personnes contre nous. Et si vous faites une réunion ce soir en disant que, en fait, il a été exécuté, voilà. Non, mais le problème, c'est que tout à l'heure, j'ai dit qu'il s'était suicidé, qu'il s'était foutu une balle devant moi. Donc là, le problème, c'est que, voilà, si le roi après dit que c'est lui qui l'a exécuté, ça commence. Enfin, les versions commencent à changer. Et pour peu qu'il balance dans. Vous l'avez dit à beaucoup de monde, du coup, à part nous? Bah, il y avait que Fernie, je pense pas qu'il parle. Vous, madame Kira? Bah, le problème, c'est que moi j'ai croisé 2-3 personnes quand même devant le village, quoi, donc je savais pas qu'à la base je devais pas le dire, donc je l'ai un peu hurlé, c'est vrai. Ah oui. Bon, eh bien, je crois que c'était une bonne idée, mais que ça risque de. Sinon, on pourrait trouver un autre plan d'infiltration. Il faudrait qu'on réfléchisse à un autre plan d'infiltration. Bah, à ce propos, j'ai peut-être une idée, mais. Dans ce cas-là, le problème, c'est que la personne qui voudrait peut-être nous aider, soit que le moins de monde possible soit au courant, à la limite que moi, il y avait Monsieur Patrick, je crois, et à la limite peut aller peut-être mon roi, parce que je pense que c'est important que vous en sachiez, mais pas plus. Parce que, en effet, la moindre personne, ce sera. D'accord, très bien. Oui, et nous ferons. Donc voilà, c'était une idée que j'envisageais, mais je pense que. C'est une très bonne idée, mon roi. Ça a été un petit peu avorté avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Oui, c'était une très très bonne idée. c'est dommage. Vous en faites pas, c'est pas perdu. Voilà, je cherchais un moyen de. Oui, voilà, on peut toujours garder la version de base et la modifier. On peut toujours faire quelque chose avec ça. Tout à fait. Tout à fait. Le concept de la vengeance, c'est une très bonne idée déjà. Donc à parce voir. Que... Ouais, à d'ailleurs, voir vous il aurait très bien pu. Mais j'ai une idée. J'ai une autre quoi idée. Aussi. Il y avait Tony, et Thomas n'est toujours pas revenu, justement. Thomas a disparu, c'est ce que Tony a demandé tout à l'heure. Où est-ce qu'il est, Thomas? Et le roi a répondu, ainsi que les autres policiers, ils ne savent pas actuellement où est Thomas. Mais du coup, s'il a été. Il est peut-être encore là-bas. Eh oui, et ça veut dire qu'en plus, c'est vous possible. Avez des bêtes de compétition, il me semble, qui sont toujours là-bas. Tout à fait. Bah bien évidemment, j'avais des animaux de chasse, j'avais des loups plus de 250 ans d'âge, j'avais des tigres à dents de sable plus de 260 ans d'âge, j'avais des tilacoléos. Moi ce qui me chagrine, c'est comment est-ce que la rébellion a pu récupérer ces animaux si on ne le leur a pas donné. Mais justement, ils ont forcé. Voilà, c'est ce que Tony a expliqué justement. Moi ça me paraît gros, hein. Enfin, excusez-moi, je suis désolée. Ça me paraît gros, il vient de se mettre une balle dans la tête. Ça me paraît gros. Je sais pas. Mais le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'il se serait donné la peine de capturer des animaux, quoi? Mais attendez, vous croyez qu'ils sont pas de leur côté en train de préparer une guerre? Et ils ont besoin de plein de choses. Les exécuter, il aurait été plus vite fait d'exécuter les animaux pour pas que nous on les ait plutôt que tout rapatrier, ça aurait été trop dangereux, non? Enfin, bah bien pas, sûr que non, puisque sachant qu'en plus de ça, les animaux que j'avais ne sont pas castrés, donc ils peuvent faire des reproductions de masse. Et ils ont fait ça pendant qu'ils nous attaquaient. Et moi je dormais, après j'en sais pas plus. Oui, nous on était occupés ici, on n'est pas du tout allé au village de l'Arion. Oui, ils ont le temps de. Oui, ils ont. On peut pas mettre des pics sur les barrières? Ouais. C'est pas bête. On a dit de les mettre devant. Ah oui, non, mais c'est bien aussi, hein. Mais est-ce qu'on peut en mettre sur les barrières? Je sais pas. J'ai pas essayé. Faudrait essayer. Est-ce qu'on n'a pas le droit aux plantes, vous savez, qui capturent les gens? Non. Non, ça c'est pas. Parce que celles qui tirent, elles sont pas gentilles. Hein. Dans vos rêves. Je sais qu'il y en a, vous les plantez au sol et ça attire les gens, c'est pas mal ça. Si c'est ça dans les légendes. Ça aurait été simple. Eh, c'est dommage. Ça a disparu ça. C'est dommage. L'espèce est bien éteinte depuis bien longtemps. C'est très dommage. S'il y avait un super botaniste, on aurait pu en trouver une espèce. Peut-être caché loin dans la région. C'est vrai. C'est vrai. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vais aller me coucher. Très bien. Puis si vous avez des informations ou s'il y a quelque chose ou quoi que ce soit, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de problème. Très bien. Eh bien, mes condoléances. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à vous, enfin bonne journée. Bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir.